Alors bonjour, qui êtes-vous C'est quoi Idéal Bonjour, euh, je suis Catherine Sabat, donc je suis la déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement, Idéal, qui est un think tank, doux tank, euh, consacré au logement et à l'habitat, et qui est un lieu euh, qu'on a voulu un lieu de dialogue et de réflexion euh, libre euh, pour euh, parler des questions de logement dont on pense. Euh, je ne suis pas la seule, euh, qui ne sont pas assez présentes dans le débat public. Pourquoi est-il nécessaire de former à la fabrication du logement aujourd'hui En quoi consiste la formation que vous proposez Pourquoi on fabrique du logement en France eh ben, A priori, pour loger les gens, pour euh, équilibrer le développement des territoires, pour proposer aux Français... Euh, un habitat euh, digne, correct, confortable et de bonne qualité. Et en fait, on s'aperçoit, c'est une intuition qu'on est en train d'essayer de vérifier via une étude que nous sommes en train de mener, euh, que la qualité du logement a plutôt tendance à baisser. Donc si on regarde les chiffres de l'INSEE et les déclarations des Français, la plupart sont satisfaits de leur logement. Et en termes de confort, c'est-à-dire... Euh, euh, la présence d'une salle de bain, euh, le, la présence euh, de différentes pièces, euh, euh, finalement euh, même les, les, les conditions acoustiques et thermiques, euh, le logement a beaucoup beaucoup progressé depuis une quarantaine d'années. Donc en termes de confort, on pourrait dire il bah, y a du mieux, c'est évident. Mais si on regarde depuis plutôt une vingtaine d'années comment sont conçus les, les appartements, je parle plutôt des appartements que des maisons d'ailleurs. On s'aperçoit que pour des raisons économiques, pour des raisons de densité urbaine aussi, la taille a plutôt tendance à diminuer, le nombre de pièces a diminué aussi. Et donc on est en train d'étudier ça pour, pour, pour le vérifier et pour essayer de mettre ce sujet dans le débat public pour que des politiques du logement s'y attaquent et euh, essayent de faire mieux. Le monde de la construction de logements est-il en adéquation avec les besoins et les usages actuels Alors justement, ça c'est la, la question euh, qui se pose en ce moment et qui s'est posée euh, d'autant plus, euh, je dirais, euh, douloureusement euh, depuis euh, la pandémie. C'est-à-dire qu'on a été euh, tous... Euh, Renvoyés dans nos pénates, euh, 55 jours, euh, 23 heures sur 24. Ça, c'était le premier confinement. Bon, depuis, euh, les, les conditions de renvoi de chacun dans son logement étaient un peu allégées. Néanmoins, euh, ce premier confinement nous a tous renvoyés à notre condition d'habitant et nous a euh, permis de voir ce qu'il était possible de faire dans un logement, c'est-à-dire d'y vivre 23 heures sur 24 en y faisant tout, c'est-à-dire travailler, vivre, se distraire. Euh, S'éduquer, euh, faire du sport, euh, etc. On a bien vu que c'était quand même assez compliqué. Donc euh, les Français se sont débrouillés avec un système D parfois extrêmement inventif. Et euh, à Idéal, on a fait un sondage qui s'appelle aux confins du logement, euh, auquel 8000 personnes ont répondu au cours du premier confinement et qui nous a permis de voir euh, comment finalement les gens vivaient plus ou moins bien leur logement et si leur logement était un atout ou justement un handicap dans cette période de confinement. Et il y a trois choses qui sont ressorties de manière extrêmement forte qu'on qu aborde la chose par le travail, la vie quotidienne, l'éducation, la distraction, etc. C'était qu'il y avait trois choses qui manquaient euh, de la lumière, un accès à l'extérieur et des mètres carrés. Alors quand on est enfermé chez soi, c'est à peu près évident que c'est ces trois choses-là qui vont manquer. Il est urgent d'innover dans le logement. On se sent souvent bridé en tant que concepteur de logement par la réglementation. En quelle mesure cette réglementation est-elle un frein ou un accélérateur de l'innovation Cette réglementation, euh, elle est à la fois un frein et à la fois un accélérateur. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les réglementations thermiques, les règlements acoustiques, etc., comme ce que je disais tout à l'heure, c'était, ça a été des, des, des accélérateurs de confort, mais Ensuite, on se retrouve avec des réglementations qui sont assez strictes et qui obligent les concepteurs et les constructeurs à adopter certaines habitudes qui ont des conséquences très claires et très visibles sur les logements. Par exemple, la réglementation PMR, donc personnes à mobilité réduite. On ne peut pas être contre cette réglementation, c'est évident que la plupart des logements doivent être adaptés ou adaptables à des personnes qui sont par exemple en fauteuil roulant. Euh, ce qui se passe, c'est que pour euh, permettre à un fauteuil roulant de faire un demi-tour dans des toilettes ou dans une salle de bain, il faut qu'il y ait un certain nombre de mètres carrés. Donc ce que ça a provoqué dans la fabrication des logements, c'est que ces pièces-là, qui sont plutôt des pièces petites ont été agrandies. Et comme on ne peut pas agrandir euh, proportionnellement le logement, parce que ça voudrait dire euh, qu'on le vend plus cher, hein, chaque mètre carré supplémentaire est vendu, donc il faut, ça augmente le, le, le budget global du logement. Et ben c'est d'autres pièces qui en ont fait les frais, et notamment la cuisine. Et on se retrouve dans la plupart des petits ou moyens appartements, avec des cuisines qui ne sont plus des pièces à part entière, mais qui sont des bouts du salon. Euh, qui sont souvent des, des murs euh, aveugles, avec la fenêtre plutôt dans le dos, euh, qui euh, abritent un plan de travail, quelques placards, etc., mais qui sont vraiment un bout d'une autre pièce. Donc, cette conception de la cuisine ouverte dans les années 70-80 était assez euh, appréciée, assez à la mode. C'était présenté un peu comme une avancée, euh, notamment euh, féministe, euh, un, un, peut-être un, une manière aussi de vivre de façon plus conviviale, tous ensemble, et ne pas avoir quelqu'un qui serait remisé dans la cuisine. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des cuisines dans lesquelles on ne peut plus euh, se mettre à table et qui viennent vraiment grignoter une partie des autres pièces. Le logement est un objet profondément politique. Quelle place accorder à l'habitant dans sa conception Aujourd'hui, les habitants sont évidemment les plus concernés, puisque c'est ceux qui vivent dans les logements, mais c'est aussi les moins concertés. Il me semble que la, la concertation pourrait aussi remonter d'un cran, c'est-à-dire que dans les politiques du logement, on pourrait essayer de mieux documenter la demande mieux euh, se préoccuper euh, des besoins des habitants. Alors des besoins, ça peut être des besoins en termes de localisation, des besoins en termes de typologie de logement, est-ce qu'ils veulent de l'habitat individuel, est-ce qu'ils veulent de l'habitat collectif, uh -huh. des besoins en taille de logement, et puis aussi des besoins en termes d'usage. C'est-à-dire que ce qu'on a vu au moment du confinement, ça pose des questions aussi sur l'usage des logements. Aujourd'hui, euh, les logements qui sont construits ou que ce ceux qui ont été construits au cours des 20-30 dernières années, ils ne sont pas faits, par exemple, pour qu'on puisse travailler dedans. Il euh, y a très peu de logements qui disposent d'un bureau, d'une pièce à part. Euh, très peu de logements dans lesquels on peut installer un bureau, un espace-bureau, sans même qu'il soit fermé. Et par exemple, dans les chambres, euh, je prends les chambres d'enfants, il faut toujours choisir entre un lit et une armoire ou un lit et un bureau. Mais pour avoir les trois... Il faudrait plus de place qu'on en construit aujourd'hui ou qu que de la manière dont on conçoit les, les chambres d'enfants aujourd'hui. Souvent, c'est des chambres de 10 mètres carrés, il n'y a vraiment pas la place de mettre grand-chose. Euh, il peut y avoir aussi des, des usages mutualisés, c'est-à-dire qu'on euh, a beaucoup euh, réfléchi euh, dès avant le confinement euh, aux espaces partagés, que ce soit des terrasses, que ce soit des salles communes, que ce soit éventuellement des chambres d'amis qu'on puisse réserver au sein d'une copropriété quand on en a besoin. Ça paraît tout à fait généreux et intéressant, sauf que ça pose plusieurs questions. D'abord, est-ce que cet espace mutualisé, il ne vient pas en compensation du manque d'espace à l'intérieur C'est-à-dire, on, on, on vous dit, bah, vous aurez une chambre d'amis, une salle commune, mais euh, c'est parce que chez vous, c'est trop petit. Donc, euh, je pense qu'on est toujours plus content d'avoir un espace privé même si on a un espace partagé en plus. Et puis l'autre question que ça pose, c'est une question de gestion, c'est-à-dire que ces espaces partagés, c'est des espaces en plus dans la copropriété, mais que chaque copropriétaire, si on parle d'accès à la propriété, paye et devra aussi payer dans ses charges pour entretenir ces espaces. Quel conseil donner aux étudiants et aux jeunes architectes Je dirais qu'il faut réfléchir beaucoup à la demande, beaucoup, beaucoup à la demande, parce qu'en France, on fonctionne toujours avec une politique de l'offre quantitative, et ça ça vaut à la fois pour la définition des politiques du logement au niveau national et au niveau euh, plus territorial, régional ou, ou au niveau des collectivités, et aussi au niveau des acteurs. On entend beaucoup de promoteurs qui disent eh ⁇ ben, nous, on sait ce que veulent nos clients de toute façon, donc c'est ça qu'on va lui fournir ⁇ Mais non, en fait, souvent ils ne savent pas ce que veulent leurs clients, ou alors ils le savent avec 20 ans de retard, ou alors ils oublient de de réactualiser, de, de, de faire des enquêtes régulières sur la satisfaction, sur, euh, euh, sur les nouveaux usages, sur les nouveaux besoins. Finalement, les plans, quand on regarde des plans euh, de logement, ils n'ont pas tellement évolué depuis, euh, depuis des décennies.